solo un suspiro que nos asegure el alma. Que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Absolument rien au monde ne pourra me séparer de toi. Elisa. Elisa. Mon Elisa. Definitivamente nada que cambiar. Le docteur est là? Non, non, il n'est pas là. Laisse-moi deviner. Tu es malade, c'est ça? Non. Au contraire, je me sens très bien. Dans ce cas, pourquoi tu veux voir le docteur? J'ai fait faire des analyses à Mérida et les résultats vont être livrés ici. Ah, ce qui signifie donc que tu es vraiment malade. Peu importe ce que j'ai, ça ne te regarde pas. Bon, les résultats du laboratoire ne sont pas encore arrivés. Donc il va falloir que tu repasses plus tard, d'accord? Qu'est-ce que tu peux être désagréable. Mais ce n'est pas grave, je repasserai tout à l'heure. En attendant, je vais en profiter pour aller choisir la décoration florale pour mon mariage. Ne crie pas victoire trop vite, hein. Parce que qui sait si Damien va vraiment vouloir se marier avec toi? Si, bien sûr que si. Parce que heureusement pour moi, ta chère amie n'est plus un obstacle dans ma vie. Il va falloir que j'accepte sa présence à mon mariage parce que Damien voudra sûrement inviter sa chère sœur, mais... Mais ce sera la dernière fois que j'aurai affaire à elle. Ah, Florencia, Florencia. Tu n'es pas encore au courant, apparemment, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, écoute. Tu le sauras bien assez tôt. Je te le garantis. On t'a déjà dit que tu es insupportable. Tu es encore pire que l'autre folle. Je ne comprends vraiment pas ce qu'Enrique t'a trouvé. Enfin, probablement... qu'il recherchait la garce qui sommeille en toi, chose que je ne suis pas, évidemment. Eh bien, laisse-moi te dire que je doute fort que toi, tu puisses donner quoi que ce soit à quelqu'un. Ça se voit à des kilomètres, Florencia, que tu es une femme vide. Et surtout du cœur. Ne me touche pas, idiote! Tu n'es qu'une pauvre fille, je te le dis, moi! Lâche-moi! Rêve, si tu crois que je vais te lâcher! Dis-moi que toi aussi, tu as envie de passer ta vie avec moi. Dis-le, Elisa. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai vu avec elle, Damien. Je t'ai vu avec Florencia. Moi aussi, je t'ai vu avec Gaëlle. Je doute vraiment que tu m'aies vu avec Gaëlle dans la même situation que celle où je t'ai vu avec ta fiancée. Non, je ne comprends pas. Je vous ai vu. Ensemble, Damien. Elisa, je... Je vous ai vu dans ta chambre. Allongés tous les deux sur ton lit. Et nus. Comment as-tu... Le jour où ma tante m'a avoué son mensonge, je suis partie immédiatement pour tout te raconter. Et ta mère m'a laissé entrer. Florencia... Et toi, étiez en train de dormir, après avoir fait l'amour. Tu oserais le nier? Je suppose que Carmina Bouvier est anéantie par la mort de son cher mari. La disparition d'Augusto est un terrible choc dont nous avons tous beaucoup de mal à nous remettre à la Ermita.
Et j'imagine que Bégonia n'a pas quitté cette femme d'une semelle depuis, puisqu'elles sont devenues des amies si proches. Je plains ta femme Edmundo d'être devenue l'amie intime de ton ex-maîtresse. Je te remercie pour ta discrétion envers Bégonia dans cette affaire. Ne me remercie pas. Je ne passe pas ma vie à répandre des commérages comme ta femme. Alors dis-moi, pourquoi n'en as-tu pas fait autant avec Augusto? Je sais parfaitement que c'est par toi qu'il a appris ce qui s'est passé entre sa femme et moi. Si c'est de ça dont tu voulais me parler, ne me fais pas perdre mon temps, s'il te plaît. Non. Il s'agit d'autre chose. On vient de me livrer des résultats d'analyse d'un laboratoire de Mérida et ils sont au nom de Florencia Landucci. Eh bien, donne-les-moi. Je les remettrai à ma belle-fille en main propre. Ils sont à mon cabinet. Va les chercher alors. Je viens avec toi. Très bien. Lâche-moi! Lâche-moi, espèce de sauvage! La ferme, tais-toi! Ah, tu vas avoir de gros problèmes, Paloma, tu vas regretter ce que t'as fait, je te jure! Pour ton information, personne ne pourra me priver de la satisfaction de t'avoir planqué une bonne raclée, même si ça m'attire des problèmes! Pousse-toi, femme de caverne! Paloma, calme-toi! Voyons enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, c'est de sa faute! C'est bon, on se calme. Tu devrais la renvoyer, Edmundo! Ah oui, comme tu l'as fait avec mon fils Enrique? Non, non, Alfonsina. Je préfère régler les problèmes d'une autre manière. Allez, on se calme maintenant. Ah, oh, je me sens mal. Doucement, doucement. Oh mon Dieu, je vais m'évanouir. Espèce de petit imbécile. Tu ne vois pas que ma belle-fille est probablement enceinte? Je vais t'ausculter, Florencia. Viens, entre dans mon bureau. Par ici, s'il te plaît. Par ici. Tu es calme. Allez, entre, entre. Tu ne peux pas le nier, Damian. Je t'ai vu de mes propres yeux en train de dormir avec Florencia après avoir fait l'amour avec elle. Oui, d'accord, Elisa, je ne peux pas le nier. J'ai bien couché avec Florencia. Pourquoi es-tu allé aussi loin, Damian? Pourquoi? Cette nuit-là, je suis rentré ivre à la maison, Elisa. J'étais très mal parce que je croyais que toi et moi, nous avions le même père. J'étais l'homme le plus malheureux de la Terre parce que j'avais envie de toi. J'avais envie de toi en tant que femme. Mais je croyais que tu étais ma sœur. Et moi, il fallait que je me raccroche à quelque chose pour ne pas sombrer. Il fallait que je t'arrache à tout prix de mon cœur. Je comprends. Mais ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas mal. Lisa, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est de ma faute. C'est moi-même qui t'ai dit de retourner avec elle, Damian. Je t'ai jeté dans les bras de Florencia. Non, Elisa, non. C'est de ma faute parce que j'ai été trop faible et j'ai choisi la solution la plus facile, mais aussi la solution la plus stupide pour essayer de t'oublier. C'est quand je t'ai vu avec elle que j'ai décidé de me taire. Et de renoncer à toi. C'est trop tard pour nous maintenant, Damien. Non, ce n'est absolument pas trop tard pour nous. Non, attends, je ne trouve pas ça juste envers Florencia. Ce n'est pas juste que tu la quittes encore une fois, et à cause de moi, après tout ce qui s'est passé entre vous deux, Damien. Oui, oui, Elisa, je sais que j'ai commis une erreur très grave. Mais je ne peux pas renoncer à toi. Je ne resterai pas avec Florencia pour la simple et bonne raison que je ne l'aime pas. Et parce que je ne l'aimerai jamais. Comme je t'aime, toi. On a tous les deux commis des erreurs, Damien. Et des erreurs qui ont des conséquences. Il va bien falloir qu'on l'accepte tous les deux. Non, il n'est pas trop tard pour réparer les choses. Florencia est une adulte et tôt ou tard, elle se remettra de cette déception et elle refera sa vie. Elisa, Elisa, j'ai besoin de toi, Elisa. J'ai besoin de toi pour vivre et toi, tu as plus que jamais besoin de moi. S'il te plaît, tu n'as qu'à tout laisser tomber. Tout. Et viens avec moi. Aujourd'hui même, Elisa. Dès maintenant, toi et moi allons commencer une nouvelle vie ensemble. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Tu as intérêt à avoir une bonne raison de m'avoir fait quitter l'hacienda. Le père Lupe est venu me voir. Il m'a posé beaucoup de questions. Le père Lupe? Mais quel,
Quel genre de question, Horatio ? Il est tout à fait au courant de ce que j'ai fait, madame. Il a été mis au courant pour la femme de M. Lucho et je ne sais pas comment. Il faisait allusion à une personne qu'il lui aurait dit en confession. Et alors ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis même pas catholique, alors comment peux-tu me suspecter, bon, Horatio ? Dans ce cas, alors, qui lui a dit ? Qu'est-ce que dis-moi. Je sais ? Toi, tu lui as dit quoi ? Moi, rien. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Je suis resté sans voix, j'ai eu très honte de moi. Mais je t'informe aussi, en passant, que le curé a flairé quelque chose de louche autour de la mort d'Augusto. Parce que la nuit où il est mort, quelqu'un nous a vus partir de la maison. Quoi ? Mais, attends une minute, qui nous a vus ? C'est le père Loupé qui t'a dit ça ? Je te préviens que si quoi, jamais mais tu... Mais de quoi tu me reviens, hein ? Ma petite dame, comment ça va ? Donnez-moi un kilo de bœuf en fine tranche. Tout de suite. Les plus fines possibles. Bien sûr, c'est comme si c'était fait. Très bien. Je ne peux pas partir avec toi, Damian. Il faut qu'on soit ensemble, Elisa. Il faut que tu sortes de cette maison, parce que ce n'est pas bon pour toi de rester ici. Tous mes souvenirs sont là, dans cette maison. Mais ces souvenirs sont aussi très douloureux. Tu dois laisser tout ce qui te fait mal derrière toi et commencer une nouvelle vie. Te faire de nouveaux souvenirs, Elisa, à mes côtés, en tant que couple. Mais ce n'est pas aussi simple, Damien. Pourquoi pas ? Ton père vient de mourir et tu ne peux pas continuer de vivre avec ta tante Carmina. Cette femme va te gâcher la vie, Elisa. Elisa. Allons-y. Allons-y, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en dis, hein ? On s'en va ensemble. Oui. Oui, Damien. On s'en va ensemble. Allons-y. Ça va. Elisa, ma chère Elisa, tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Mon amour, fais tes valises. On s'en va tout de suite. Entrez, mon père. Bonjour. Bonjour. Vous vous sentez un peu mieux, Ramona ? Je ne crois pas que je pourrais me sentir mieux après ce qui s'est passé. Mais enfin, je vous ai déjà dit que vous n'y étiez pour rien du tout, Ramona. Eh bien, je pense le contraire, mon père. Et je n'ai plus envie de parler de ça, s'il vous plaît. Et moi, je viens vous voir précisément parce que je veux que vous me racontiez ce que vous avez dit à Augusto, Dieu et son âme, le jour de sa mort. Et aussi parce que je veux que vous en parliez non, à Elisa. Non, mon père, non. Je ne redirai plus jamais rien à personne. J'ai déjà provoqué un suicide. Je ne veux surtout pas que ça se reproduise. Mais ce qui compte, c'est la vérité. Et la vérité doit éclater au grand jour, Ramona. Je vous ai déjà dit que je ne répéterai à personne ce que j'ai dit à Monsieur Augusto. Et certainement pas à sa fille. Hors de question. Comment je peux lui dire que son père s'est donné la mort par ma faute ? Je vous ai déjà dit que vous n'y étiez pour rien du tout, enfin. Bien sûr que si. Attendez si. Un peu. Et si Augusto ne s'était pas suicidé, comme tout le monde le pense ? Et si c'était autrement qu'Augusto était mort ? Mon Dieu ! Comment ça, autrement ? Eh bien, je ne sais pas. C'est justement ce que j'essaie de découvrir, Ramona. Et donc, ça m'aiderait beaucoup que vous me disiez tout ce que vous savez. Tout. Il faut absolument que la vérité se sache. Que la vérité éclate enfin. Si vous en avez tellement envie, mon père, pourquoi vous ne le faites pas ? Hein ? Moi, je ne sais rien d'autre que ce que vous m'avez dit. Je ne peux pas parler à votre place, ni raconter ce que je n'ai jamais vu, ou bien ce que je n'ai jamais vécu. Eh bien, je ne dirai rien. Hein ? Alors, s'il vous plaît, arrêtez de me torturer. Et je vous préviens tout de suite que si jamais vous osez un jour mentionner mon nom, pour expliquer ce qui vous tourmente autant, comme je vous l'ai dit, je ne dirai pas un mot. Ça vous arrangerait bien que quelqu'un d'autre se salisse les mains pour vous, pas vrai ? Une fois que tu auras les résultats, j'espère que tu tiendras ta promesse, mon amour, et que tu iras vite demander ma main à mes parents. Oui, mon amour, détends-toi. Je t'ai déjà promis que j'allais le faire, ok ? Je peux savoir pourquoi tu regardes la tante d'Elisa comme ça ? Le fait est qu'avec tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas eu le temps de présenter mes condoléances. Oh oui, pauvre femme. Tu sais, ma mère m'a dit qu'elle adorait Monsieur Augusto et qu'elle souffrait énormément.
Elle est toute seule maintenant. Vraiment ? Oui. Je ne savais pas que ta mère et Carmina étaient amies. Oh oui ! En fait, c'est grâce à elle que l'attitude de ma mère envers toi a changé. Ah. Grâce à Madame Carmina, ma mère a bien voulu que tu sois mon petit ami. Ah, c'est bien, dis donc. Alors, il va falloir que je la remercie personnellement pour son geste, non ? Voilà. Assieds-toi, je t'en prie. Bon, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout a l'air parfaitement normal, Florencia. Au cas où tu es effectivement enceinte, tu ne cours aucun risque, je te promets. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais les résultats ici. Que le laboratoire avait envoyé les résultats. Je veux les voir. Oui, bien sûr. Les voilà. Félicitations, Florencia. Oh. C'est positif? Oui. Oui. Je vais être grand-mère, Edmundo. Eh bien, félicitations à vous deux. Allons-y, ma chérie. Il faut le dire à Damien sans plus attendre. À très bientôt, Edmundo. Bonne continuation et encore félicitations. Prenez soin de vous. Docteur, excusez-moi pour ce qui s'est passé. Je sais que ce n'est pas bien, mais... Le problème, c'est que cette femme est une véritable peste. Je ne voulais pas... Dites-moi... Est-ce que c'est vrai que... C'est vrai que Florencia est enceinte? Oui. Pauvre Elisa. Où étiez-vous passée, madame? Combien de fois je vais devoir te le répéter? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas! Damien est encore là? Oui, je vous informe que oui. Il est encore en train de parler à ma petite Elisa. Et de quoi ils sont en train de parler? Oh, eh bien, qui sait, mais en tout cas, ça ne regarde qu'eux. Et vous savez, vous ne devriez pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, madame. Il faut qu'on se dépêche. Je vais t'aider à faire tes valises. Non, Damien, attends. Je te promets qu'on va partir ensemble. Mais pas comme ça, pas comme si on voulait s'enfuir. Mais mon amour, c'est exactement ce qu'on va faire. On va fuir le passé, on va fuir ta tante, on va tout fuir. Mais comprends-moi. Il faut d'abord que je le dise à Lolita. Il faut que je sache ce que la hacienda va devenir maintenant que mon père n'est plus là. Et aussi ce que va devenir le cielo a bientôt et ma sœur aussi. Ce n'est pas aussi simple. Ton papa n'a pas laissé de testament ? Je ne sais pas. Mais je ne vais certainement pas non plus laisser ma tante s'approprier cette maison, ni les terrains de mon père. Bien sûr que non. Mais on n'est pas obligé d'être ici pour régler tout ça. Rien ne te force à rester vivre ici pour faire ça. Non, Damien. S'il te plaît. Juste quelques jours. Juste quelques jours, Damien. S'il te plaît. Je n'ai pas envie d'attendre. Pas même quelques jours, Elisa. Il faut que tu partes de cette maison aujourd'hui même et que tu partes avec moi. Une vraie dame, madame. N'écoute pas les conversations des autres aux portes. Vous n'avez pas honte? Quelle élégance! Oh, et toi, va te faire voir. Comment tu te sens, Vicente? Mal. Je me sens très mal. C'est bien normal. C'est pas une petite opération qu'on vient de te faire. Mais grâce à Dieu, au final, tout s'est bien passé. Ta mère n'est pas là avec toi, mais ne t'inquiète pas, elle est en train de récupérer. Tu sais, elle vient de te donner un rein pour te sauver la vie. Et mon papa? Il est pas venu me voir, c'est ça? Pourquoi vous lui avez pas dit que j'étais là? Je vous l'avais demandé. Gabino est bienvenu te voir, Vicente. Il est passé hier soir, mais tu étais en train de dormir. Alors vraiment, il s'inquiète pour moi? Oui. Gabino a pris de tes nouvelles. Et il va revenir me voir? Je ne sais pas. Tu sais, il a beaucoup de travail à l'usine, alors peut-être qu'il n'aura pas le temps. Tu sais, c'est pas grave.
Il reviendra me voir plus tard. Je savais bien qu'il m'aimait. C'est mon père après tout, non? Tu n'as pas du tout envie que je reste avec toi, c'est bien ça? Pour tout te dire, je m'en fiche. Tu vois, moi je ne t'aime pas. Conformément aux ordres du docteur Tovar, vous allez être transféré dans une autre chambre avec votre fils. Merci beaucoup, mademoiselle. Je ne veux pas être séparée plus longtemps de mon Vicente. Ne vous en faites pas. Les brancardiers vont bientôt arriver. Merci. Excusez-moi. Entrez. Je suis très content que tu ailles bien. J'étais avec Vicente à l'instant et il va mieux. Le docteur Tovar m'autorise à m'installer dans la même chambre que lui. Je meurs d'angoisse rien que parce que je n'ai pas mon fils à mes côtés. Tu sais, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir donner moi-même un de mes reins pour pouvoir sauver ton fils. Mais tu ne m'en as pas donné l'occasion. Non, ce n'est pas que je ne t'en ai pas laissé l'occasion. J'ai parlé au docteur Tovar et il m'a dit que, d'après les résultats des tests qu'il a faits, il était probable que ton rein ne soit pas compatible avec lui et que ce serait plus facile pour son corps d'accepter le mien, tu comprends? C'est pour ça que j'ai agi sans hésiter. D'une certaine manière, c'est mieux. Comme ça, au moins, on ne doit rien du tout à Gabino Mendoza. Il a fallu que je tabasse ce type pour qu'il se ramène ici. Au cas où on pourrait avoir besoin de lui. Je déteste cet homme de toute mon âme. Et je n'ai jamais voulu qu'il m'approche, moi ou mon fils. Ça, c'est ce que tu dis. Mais pourtant, tu t'es mariée avec moi en me racontant des mensonges. Tu étais déjà enceinte de lui. Pendant toutes ces années, tu n'as fait que me prendre pour un imbécile. Brolio, on a tellement de choses à se dire. Écoute, je te supplie de me laisser t'expliquer comment ça s'est vraiment passé. Je t'ai toujours aimé. Je ne veux rien entendre du tout. Je suis seulement venu te dire au revoir. Et j'en profite pour te dire qu'avant que toi et Vicente ne sortent d'ici, je ne travaillerai plus à l'Hacienda. Cet endroit est aussi...